Désolé, monsieur. De par mon statut d'ex-PDG, je ne puis accepter de dons en dessous de 1000 francs. Alors, voyons. Mon père, je voudrais me suicider. Quoi? Tu es fou? Et léguer toute ma fortune à votre église. Hein? Dans ce cas, je prierai pour le repos de ton âme. Ah, yo, c'est toi qui voles toujours mes mangues ici. Je vais le dire à ton père. Oh, voilà mon papa même en haut là-bas. Papa, descends, monsieur Kofi veut te parler. Que fais-tu avec ton mari dans le dos? C'est un PDC, oh. Il lui a conseillé de faire footing tous les matins. Donc je l'ai dans l'enfer. Et toi là, je me suis arrêté pour te laisser traverser et tu viens t'adosser sur ma voiture. Ça veut dire quoi ça? Je sais, mais votre voiture est sur mon pied. Et toi? De quoi je me mêle, monsieur? C'est votre affaire si je me reste les yeux par le trou de la serrure? Mais comment? Sachez, monsieur, que c'est mon épouse que le médecin est en train de consulter maintenant. Mais regardez ce que vous avez fait. Vous l'avez ensommé avec le tabouret. Oh là là. Alors, c'est de la légitime défense. J'allais pas me laisser malmener sans réagir, non? Alors, il y a le taper encore. Joe, je ne sais plus que faire hein, avec le salaire qu'on me paye. Les fins du mois sont toujours difficiles pour moi. Mon frère, c'est pareil pour moi. Surtout les 30 derniers jours. Mademoiselle Akos, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Kojo? Oui. Monsieur Kojo, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Akos? Oui. Ama, écoute un peu les notes de ton fils. Maths 2, dictée 0,5, histoire géo 1, éducation physique 3. Mais Ama, tiens-toi bien. Éducation sexuelle, 20 sur 20, c'est à toi qui reste, Ama. Voilà. Allez les enfants, donnez-moi le nom de quelques planètes. La planète Mars. Chier. La planète Avril, monsieur. Dites-moi, quelle est la partie de votre corps qui vous fait le plus mal en ce moment? Où j'ai mal le plus, docteur, c'est ma poche. Quand je pense à ce que cette consultation va me coûter. Ma chérie, si je meurs, je voudrais qu'on m'enterre dans mon village. Écoute, on va d'abord t'enterrer ici. Si après tu n'es pas à l'aise, on va te transférer au village. Monsieur, j'ai deux nouvelles pour vous. Une mauvaise et une très mauvaise. Commencez par la mauvaise. La mauvaise, c'est que vous n'avez que 24 heures à vivre. Ah bon? La très mauvaise, c'est que j'ai oublié de vous le dire hier. Hein? Descends, c'est toi qui fais couler la pyramide. Descends là-bas. Hey, mais Joe, toi tu t'es meilleur buteur en Europe, non? Mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Malheureusement, j'ai marqué tous mes buts dans mon propre camp. Quoi? Tous mes buts étaient des autogols. Je ne sais pas comment voulez-vous que vos pertes de mémoire disparaissent si vous ne prenez pas vos médicaments. Docteur, c'est pas de ma photo. Moi-même là, j'oublie chaque fois de la prendre.